Cette chaire vient à point nommé à un moment où l'université met un grand accent sur les savoirs locaux. Et la chaire, telle elle est formulée, il est question de promouvoir la communauté à travers leur savoir-faire, leur spécificité et leur manière d'ouverture aux autres. Nous savons que beaucoup de nos savoir-faire sont en très grande difficulté, voire en voie de disparition, soit à cause de l'incapacité d'assurer la relève, car les jeunes s'intéressent à des activités apparemment plus lucratives. On sait ce que c'est le transport motorisé, les motos maintenant. Les gens délaissent beaucoup d'activités pour le transport, pour se faire motard, pour se faire chauffeur de moto. Soit à cause de la perte d'intérêt du public aussi, soit tout simplement à cause de la situation socio-politique du pays. Des corps de métier se perdent parce que tout simplement, les lieux qui en sont les bastions sont devenus des zones de non-droit. Je pense à Bel Air, avec nos celliers, nos ferblantiers, nos cordonniers, nos bouquinistes, nos artisans de paillettes, l'art du vaudou et de récupération. La Saline avec nos faiseurs de réchaud, nos faiseurs de chaudières. Rivière Froide avec nos artisans et artistes de roche et de bois. Noailles avec nos artisans et artistes de fer. Grand Rue avec nos artistes et nos artisans de récupération. Personne ne se pose la question de savoir qui peut travailler certains métaux aujourd'hui comme le bronze. Où travaille encore la céramique pour produire des ustensiles? Cette chaire est l'occasion de mettre en branle nos ressources intellectuelles et matérielles pour repenser le tourisme de manière globale, dans son rapport avec non seulement les sciences humaines, mais aussi les sciences appliquées, mais encore avec l'art et l'artisanat. Ces derniers, c'est-à-dire l'art et l'artisanat, sont avec les archives, les patrimoines le plus souvent négligés, et pourtant, ils sont parmi les meilleurs vecteurs pour comprendre et toucher les communautés. J'espère pour conclure que l'UEH va pouvoir s'ouvrir davantage au champ professionnel en offrant des licences et des masters professionnels lui permettant ainsi de mieux répondre à sa vocation auprès des communautés. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce matin dans l'enceinte du rectorat et de procéder avec la ministre Cassandra François au lancement de la chaire ministère du tourisme de l'Université d'État d'Haïti. Une initiative née du protocole de partenariat signé entre nos deux institutions le 27 septembre 2021. Les deux textes que nous allons paraffer, l'un sur la création de la chaire et l'autre portant sur l'utilisation de la cafétéria du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade par l'Institut de formation en hôtellerie et en tourisme du ministère, montre à quel point le ministère du tourisme et des industries créatives et l'Université d'État d'Haïti sont arrivés à développer un partenariat actif et fructueux, axé sur la recherche, sur le renforcement des capacités et sur les services à la communauté. Je salue le dynamisme, l'esprit d'ouverture et la détermination de Madame la ministre du Tourisme de faire avancer le secteur dont elle a la charge et de valoriser
notre cher Haïti, en dépit des contraintes et des difficultés que nous connaissons. Je salue également l'excellent travail réalisé par les membres du comité mixte institué par le protocole d'accord du 27 septembre 2021 pour recevoir et traiter toute question d'intérêt commun à nos deux institutions. En témoigne la mise sur pied de cette chaire qui servira d'espace de recherche, de formation et d'encadrement pour ce secteur de grande importance pour l'économie nationale. En effet, mesdames, messieurs, chers invités, la création de cette chaire s'inscrit parfaitement dans cette volonté de l'Université d'État d'Haïti, en concertation avec les pouvoirs publics et la société civile, pour le bénéfice de notre pays et surtout pour la concrétisation des aspirations légitimes de la population haïtienne à des conditions de vie plus décentes. Elle reflète également notre propension de plus en plus marquée à être une université partenaire de son milieu, une université citoyenne qui prend en compte les besoins prioritaires de son environnement. À cette chaire auront droit de cité et droit de parole non seulement les professeurs, chercheurs et membres de la communauté de l'UH, mais aussi les professionnels, les promoteurs de notre tourisme, ainsi que les porteurs de savoir de toutes catégories et de tous les horizons du secteur. Elle constituera un espace de dialogue, de réflexion et de découverte autour des grands axes de notre tourisme, des meilleures options disponibles pour le secteur, de valorisation de toutes nos ressources, de toute nature et de tous les coins de notre terroir, vaste, riche, divers. Je ne saurais passer sous silence la présence à cette cérémonie d'éminents membres du monde touristique national qui ne cessent de lutter pour que ce secteur retrouve sa gloire d'antan et pour que notre pays revienne sur la carte des destinations incontournables comme le lui autorise son histoire, son patrimoine, sa culture, son sens de l'hospitalité. Ils seront eux aussi des partenaires de la chaire. Je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution pour que nous parvenions à la signature de cette entente spécifique d'aujourd'hui. Je remercie particulièrement le conseil de direction de l'IRA et les cadres concernés de votre ministère, Madame la Ministre, qui ont accueilli avec enthousiasme ce partenariat et le rendent chaque jour plus concret, plus fructueux et plus bénéfique. C'est avec beaucoup d'émotion et surtout une grande satisfaction que je prends la parole à l'occasion de cette double cérémonie qui se déroule aujourd'hui dans l'enceinte du rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Cérémonie double parce qu'il s'agit de formaliser, après la signature du mémorandum d'accord du 27 septembre 2021 qui avait été signé dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, établi entre le ministère et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti au profit de l'IRA ISERS pour la mise en œuvre de deux projets. Le premier se réfère à l'établissement d'un élément de la future école hôtelière d'Haïti dans le Nord, au campus de Limonade. Le second, l'institutionnalisation d'une chaire de recherche en tourisme et patrimoine qui sera hébergée dans les locaux de l'IRA ISERS et dénommée chaire ministère du tourisme. Mais je voulais ajouter « et culture » également, parce que patrimoine, c'est, on voit patrimoine matériel et immatériel, et on saurait dissocier le tourisme à la culture, parce que pour le ministère du tourisme, on vend la culture, qui est notre authenticité, notre essence en tant que peuple. Ces deux événements qui nous rassemblent aujourd'hui ont eu un caractère inédit. En effet, ce sont deux entités de l'État qui se sont mis d'accord pour travailler ensemble pour le bien-être de la société haïtienne.
D'un côté, un centre de savoir pour le pays tout entier, l'UEH, et de l'autre, une entité de régulation d'un secteur socio-économique, le ministère du Tourisme. Au niveau de la chaire ministère du Tourisme, les démarches ont été entreprises depuis quelque temps, comme vient de le souligner M. Piou, et réactivées ces derniers mois suite à l'accord du 27 septembre 2021. Les nombreuses rencontres et sessions de travail réalisées par des cadres du ministère du Tourisme, du rectorat de l'UEH et des professeurs de l'IRA-ISERS ont permis de produire un document accepté par les deux entités concernées. Par ailleurs, il convient de souligner que le ministère du Tourisme, initiative de la démarche, a obtenu le plein soutien du chef de gouvernement, le Premier ministre, le Dr. Ariel Henry, avec qui certains des domaines d'intervention de la chaire ont été rappelés comme la conduite des travaux de recherche sur des thématiques d'intérêt pour les secteurs culturels et touristiques, l'organisation de missions de terrain d'ordre académique bénéfique pour les étudiants de l'UEH, la réalisation des sessions de formation, conférences, débats, séminaires en lien avec le patrimoine et le tourisme important pour le pays tout entier, et aussi la réalisation des travaux de thèse qui pourraient se faire au niveau des sites touristiques pour les étudiants, que ce soit au niveau de patrimoine et culture. Pour ce qui concerne d'abord l'accord d'utilisation de la cafétéria du campus de Limonade, c'est un pas important dans le processus de renforcement de la destination touristique du Grand Nord, dans la mesure où un personnel formé, surtout des jeunes, viendra améliorer la qualité des services touristiques offerts dans cette région avec l'implantation d'un premier élément de l'école hôtelière d'Haïti Nord, EHHN. Cette démarche rentre aussi dans notre stratégie de propulser la destination nord d'Haïti, qui, bien entendu, est une destination touristique par excellence, avec non seulement son histoire, la culture et les plages que nous avons au niveau du nord, et qui aussi est sa destination pour le moment qui est le plus viable à vendre pour l'instant. La collaboration entre l'UEH et le MDT, en plus d'être bénéfique pour le pays tout entier, le sera encore davantage pour tous les opérateurs du secteur touristique national, qui, il faut le reconnaître, traversent depuis quelques années des moments extrêmement difficiles. De meilleurs jours viendront et l'événement d'aujourd'hui nous prépare pour mieux en profiter le moment venu.